Publiées le 10 janvier, les mémoires du prince Harry connaissent déjà un franc succès, que ce soit au Royaume-Uni ou même en France. Intitulée Le suppléant, spère de son titre d'origine, elle regorge d'anecdotes intimes sur le duc de Sussex et sur son quotidien passé dans la famille royale britannique. Au fil des pages, le père d'Archie et de Lily Bay évoque les amitiés qu'il a nouées quand il était plus jeune et ce que ça impliquait de faire partie de son entourage. Le prince Harry explique que ça n'a pas été facile de se faire des copains pendant sa scolarité à cause de ses exigences assez spécifiques. L'une d'elles était notamment de le traiter de façon normale, et ce, même s'il bénéficiait de mesures de sécurité particulièrement importantes. Ses amis devaient donc ignorer le garde du corps armé qui dormait au bout du couloir et dont la mission consistait à empêcher qu'on, elle, eux qui donna Poucon, elle, assassine. Le duc de Sussex a également révélé avoir eu un traceur électronique et avoir été doté d'un bouton d'alarme qu'il portait, sur lui, en permanence. Supérieur à l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en imagé d'amis qui ne devaient jamais parler de la famille royale, de quoi surprendre mais pas de quoi l'empêcher, finalement, de lier de jolies amitiés avec des personnes qui répondaient à ses critères. Dans son ouvrage, l'époux de Meghan Markle précise que ses copains devaient avant tout, à ses yeux, ne pas le charrier parce qu'il appartenait à la famille royale, ni même faire la moindre allusion au fait qu'il était suppléant. Et avec ces personnes, qui ont accepté de prendre en compte ses besoins, le prince Harry a eu l'occasion de s'évader pour rejoindre le pont de Windsor, qui enjambait la Tamise entre Eton et Windsor. Des moments de tranquillité, où le petit groupe faisait l'école buissonnière, durant lesquels le jeune homme fumait, en se mettant en mode pilote automatique, comme il le raconte par écrit. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, JLPPA.